Dépréciation continue de la monnaie nationale face aux devises étrangères, en l'occurrence les dollars américains, une situation des surchauffes observées sur les marchés d'échange. Et puis justement, pour juguler les taux d'échange en République démocratique du Congo, plusieurs mesures additionnelles ont été prises en renfort de celles en vigueur. Notez aussi que la Fédération des entreprises du Congo aura bientôt un nouveau président. Celui-ci sera connu le 27 novembre prochain à l'issue d'une assemblée générale ordinaire et élective. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Situation du taux d'échange en République démocratique du Congo, plusieurs mesures additionnelles viennent d'être prises en renfort de celles déjà en vigueur en vue de la stabilisation. C'était à l'issue de la dernière réunion des conjonctures économiques élargies aux responsables de secteurs bancaires, télécoms et pétroliers présidés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La gouverneure de la Banque centrale du Congo, Marie-France Malangu Kabedimbouyi, a fait les rapports de cette réunion aux membres du gouvernement. Sarah Mangonda pour plus de détails. Mais en attendant, il faut dire qu'une situation de surchauffe est observée. Les marchés de change, les dollars se négocient à l'achat à 2650 CDF contre 2620 CDF à la vente. C'est lundi 13 novembre sur les marchés parallèles de Kinshasa, alors que les taux indicatifs de la Banque centrale revient à 2600,3720 CDF les dollars. Il s'observe depuis les débuts du mois de novembre une dépréciation continue de la devise nationale face au dollar à l'indicatif et une légère stabilité du taux d'échange au parallèle. Il faudra attendre le 27 novembre 2023 pour connaître le prochain président de la Fédération des entreprises du Congo. Cette date consacre la convocation d'une assemblée générale ordinaire et élective de la FEC. Seuls les membres en ordre des cotisations auront le droit de voter et d'éligibilité. Ruth Kalonge pour les détails. Le successeur d'Albert Yuma à la présidence de la Fédération des entreprises du Congo sera connu ce 27 novembre 2023 à l'issue d'une assemblée générale ordinaire et élective. Selon une note de convocation envoyée à tous les membres par ses présidents sortants de la FEC, Albert Yuma, l'ordre du jour va porter entre autres sur
L'approbation du rapport du conseil d'administration sur les activités de la FEC pour l'exercice 2022, l'audition du rapport des commissaires aux comptes, l'approbation des comptes de l'exercice 2022, la décharge de la gestion à accorder au conseil d'administration, le régime des cotisations pour l'exercice 2023-2024, les élections des administrateurs, les élections de commissaires aux comptes. La note précise que seuls les membres en règle des cotisations jusqu'à l'exercice 2023 auront le droit de vote et d'éligibilité. Et les candidatures aux fonctions de membres du conseil d'administration sont à déposer auprès du président du conseil d'administration au plus tard le 22 novembre 2023. Rappelons que ces assises interviennent après la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire où les membres de la FEC avaient apporté plusieurs amendements dans les statuts de ces syndicats patronaux engagés dans la voie de la Renaissance. Sachez que les principaux produits d'exportation de la République démocratique du Congo affichent une tendance haussière sur les marchés internationaux. Le cuivre est au-dessus de la barre des 8 000 $ la tonne contre 7 896 $ la semaine précédente, soit une hausse de 121 $, tout comme les cobalt, l'or et autres dont la tendance haussière a été aussi observée. Sarah Mangonda pour plus de détails. Le cuivre affiche une tendance haussière cette semaine à 8,17 $ la tonne contre 7,896 $ la tonne la semaine précédente, dégageant une hausse à 121 $ américains. Le cobalt est aussi en hausse cette semaine à 32 742 $ la tonne contre 32 733 $ américains la tonne la semaine passée, soit une légère hausse de 9 $. Le zinc est embelli également cette semaine à 2 450 $ américains la tonne contre 2 420 $ la tonne la semaine précédente, soit un écart de prix positif de 30 $. De même, les prix de l'or est en hausse cette semaine à 63,39 $ le gramme contre 63,76 $ le gramme la semaine passée, soit une hausse de 0,63 $ américains. Quant à l'étain, il affiche cette semaine une tendance baissière à 24 850 $ la tonne contre 24 939 $ la tonne la semaine passée, dégageant une baisse de 89 $. Notons que cette semaine, les tantales baissent à 229,6 $ le kilo contre 236 les kilos la semaine passée, soit une baisse de 6,9 $ américains. Les minerais d'argent, lui, est demeuré stable sur les marchés internationaux à 0,75 $ américains le gramme. Les gouvernements s'emploient à la recapitalisation de la Banque centrale du Congo. Il tient donc à augmenter son capital social qui s'élève à 60 000 francs congolais, à 212 999 940 francs congolais. Les modalités de cette recapitalisation devraient se faire sur 2 ans, soit 2024 et 2025. Une démarche qui vise à renforcer l'indépendance financière de la Banque centrale du Congo. Sarah Mangonda, encore une fois de plus. Deux notes d'information présentées au Conseil de ministres par la vice-ministre des Finances, Onej Ntsele. S'agissant de la première note d'information, elle a indiqué que la feuille de route pour les renforcements de la gouvernance des investissements publics est structurée en 3 parties, à savoir les avancées dans l'amélioration du système de gouvernance des investissements publics, les programmes de réforme du système de gestion des investissements publics et les conditions de succès pour l'aboutissement des réformes y inscrites. Elle est assortie d'un plan d'action opérationnel présentant par axe les prérequis ainsi que les chronogrammes des mises en œuvre des actions de réforme prioritaires estimées à 1 million de dollars américains. C'est une réponse adaptée aux problèmes et pesanteurs qui limitent l'expansion dynamiquement vertueuse, à la fois quantitative et qualitative, des investissements publics en RDC. Quant à la seconde note d'information, Onej Ntsele a d'abord rappelé que la loi numéro 18/027 du 13 décembre 2018 portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale du Congo dispose en son article 6 que le capital social de la banque s'élève à 213 milliards de francs congolais.
Il est entièrement souscrit par l'État et libéré suivant les modalités arrêtées entre la Banque centrale du Congo et le gouvernement. Il s'observe qu'à ce jour, les capitales sociales de la Banque centrale du Congo s'élèvent à 60 francs congolais. Partant, le gouvernement tient à l'augmenter à 212 milliards de francs congolais pour atteindre 213 milliards de francs congolais prévus par la loi organique sus-évoquée. La vice-ministre des Finances a présenté aux membres du Conseil les modalités de cette récapitalisation convenue avec la Banque centrale du Congo qui devrait s'y faire sur 2 ans, soit 2024 et 2025, car il est question de renforcer l'indépendance financière de la Banque centrale du Congo. Notons que Onesh Onsele a sollicité la prise d'acte du gouvernement pour la signature, conformément au programme économique du gouvernement soutenu par la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international FMI, de la convention portant récapitalisation de la Banque centrale du Congo. Évolution satisfaisante des travaux relatifs au projet de la centrale photovoltaïque de Chimpuka dans les Kasaï orientales sur financement du Fonds des promotions de l'industrie. Ces projets énergétiques dans les cadres du programme présidentiel va produire 10 000 MW par jour avec un stockage de 5 MW la nuit pour alimenter la ville de Mbujimayi et ses environs. 3 transformateurs destinés à cette centrale seront bientôt livrés à sur les FPI à l'issue d'une mission d'inspection menée en Chine conduite par le directeur général Bertin Moudimou Tshisekedi. Suivez. La centrale photovoltaïque de Chimpuka doit produire 10 MW par jour avec un stockage de 5 MW la nuit pour alimenter la ville de Mbujimayi et ses environs en électricité. Cette centrale est située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Mbujimayi dans le Kasaï oriental. Le processus de sa mise en œuvre évolue bien. Pour ce faire, la direction du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, conduite de main de maître par le directeur général Bertin Moudimou Tshisekedi, suit de près l'évolution de travaux devant conduire à l'opérationnalisation de cette unité photovoltaïque. C'est dans ces cadres qu'une équipe mixte du FPI et de grands international groupes, maîtres d'œuvre du projet, vient d'assister à l'inspection avant expédition des 3 transformateurs destinés à cette centrale photovoltaïque. Cette délégation était conduite côté FPI par l'un des directeurs et les team leaders de ce projet, François Mpuila Mukendi, et côté Grand International Group, par le directeur général, Durim Neziri. Nous sommes à l'usine de la compagnie Jiangsu Rayon Electric, située à Ayan City, à Jiangsu, province en Chine. Conformément aux clauses du contrat relatif aux travaux d'érection de la centrale photovoltaïque de Chimpuka qui lie le FPI au groupement des entreprises égyptiennes Hassan Alan Pegesco qui exécute ces travaux, la vérification qualitative des matériaux et produits ainsi que les essais et épreuves techniques doivent être opérés à chaque étape du processus de montage de la centrale photovoltaïque. Voilà la raison d'être de l'équipe d'experts aux installations des Jiangsu Rayon Electric. Sur place, les vérifications et les essais ont été faites par le maître d'œuvre du projet, en l'occurrence Grand International Group, sous l'œil observateur du bailleur de fonds, le FPI, qui, suivant les instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur du projet, veille au quotidien à l'aspect qualité de l'ouvrage. Et comme vous pouvez le constater, il s'agit de 3 transformateurs qui ont été commandés et fabriqués sur mesure pour la centrale photovoltaïque de Chimpuka. Le premier et principal transformateur a une capacité de 10 MV ampères. Ce transformateur devra être situé au poste de l'aéroport de Bimpemba à Mbujimayi où il va ajuster la tension de 33 kV à 15 kV pour répondre aux besoins du réseau de distribution dans la ville de Mbujimayi sur l'énergie de 10 MW qui
qui sera produite par la centrale photovoltaïque et les systèmes de stockage sur batterie de 5 MW par heure pendant la nuit. Le tout sera livré à travers une ligne de transmission de 33 kV. Le deuxième transformateur a une capacité de 250 kV-ampères. Ce transformateur sera placé à la station Chipuka et va servir de source d'énergie pour les différents besoins électriques de la centrale solaire, y compris du bâtiment de contrôle électrique, ainsi que pour les besoins de tous les autres équipements à l'intérieur de la centrale, voire même pour l'éclairage du site. Enfin, le troisième transformateur a une capacité de 100 kV-ampères. Ce transformateur sera situé dans la sous-station de l'aéroport et répondra aux besoins électriques de la sous-station elle-même, y compris de tous les équipements électriques et mécaniques qui la composent. Ce vendredi 3 novembre 2023, nous sommes ici à Ryan Electric Company en Chine, où nous avons testé les trois transformateurs destinés au projet Chipuka. Il s'agit du transformateur auxiliaire de la centrale photovoltaïque, le transformateur auxiliaire de la station de l'aéroport et enfin le transformateur principal de la station de l'aéroport. Je suis très impressionné par les efforts considérables et les professionnalismes de l'usine qui a réalisé tous les tests requis sur les transformateurs pour ce test d'acceptation en usine dit FAT ici en Chine. Vous allez suivre cet élément en intégralité juste après ce journal. La Direction générale des recettes administratives judiciaires domaniales et des participations de Gérard qui saisit l'attention du public sur la perte des 10 notes de perspection, plus de détails dans ses communiqués rendus par Patricia Mastecki. La Direction générale de recettes administratives judiciaires domaniales de participation de Gérard en sigle demande aux candidats à l'élection présidentielle de décembre 2023 ayant retiré la note de perception et payé les droits de dépôt de candidature auprès de banques commerciales agréées de passer ce samedi 7 octobre 2023 au siège de la DGRAD à partir de 9h pour retirer le certificat d'encaissement de ses droits au compte général du Trésor. Il va sans dire que seuls les paiements retracés sur ISIS Régie seront certifiés et transmis pour disposition et compétence à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Fait à Kinshasa le 5 octobre 2023, c'est signé Jean-Lucien Bonnier-Mekofo, directeur général de la DGRAD. La DGRK rappelle les contribuables personnes physiques et morales assujetties à la retenue sur loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales du mois d'octobre était fixée vendredi dernier. Suivi. Communiqué officiel numéro 01/DGRK/DGE/MMM/021/LSN/2023. La Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle les contribuables personnes physiques et morales assujetties à la retenue sur loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales du mois d'octobre 2023 est fixée au plus tard vendredi 10 novembre 2023. Dépassé ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des amendes conformément aux dispositions réglementaires en la matière. Celui qui paye mal paye deux fois. Fait à Kinshasa, le 7 novembre 2023, Moussa Kamayelenka et Miché, directeur général. Très chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici les rappels des titres. Dépréciation continue de la monnaie nationale face aux devises étrangères, en l'occurrence les dollars américains, une situation des surchauffes observées sur les marchés d'échange.
Et puis justement, pour juguler les taux d'échange en République démocratique du Congo, plusieurs mesures additionnelles ont été prises en renfort de celles en vigueur. Notez aussi que la Fédération des entreprises du Congo aura bientôt un nouveau président. Celui-ci sera connu le 27 novembre prochain à l'issue d'une assemblée générale ordinaire et élective. Très chers téléspectateurs, c'est par ici que s'achève cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Rapid Télévision. Au revoir.